Don't forget to subscribe to Full Option TV Official. Full Option TV is the best. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Full Option TV Officiel. Aujourd'hui, je vais montrer comment on fait le gaufre. En anglais, on appelle ça le waffle. Pour faire le gaufre, comme vous l'avez vu, j'ai besoin de la farine, 2 œufs, du lait en poudre, et puis vanille extra, l'huile et un verre d'eau. La farine que j'utilise, c'est parce que j'ai déjà jeté le carton, on appelle ça ce Belgian Waffle Mix. Je vais écrire le nom, comme ça vous allez voir ça. Il y a déjà du sucre en l'intérieur. Donc, il faut seulement ajouter ce que je vous ai montré ici. Donc, moi, j'ajoute du lait et puis vanille extra pour épaisser mon flavor. Flavor mokoya, très bien. Voilà. Donc, pour commencer, normalement, je veux mettre le feu. Je utilisais, je mets seulement 2 maquis parce que j'ai utilisé verre omi balé pour la farine, j'ai utilisé 2 verres à bouillir et on peut utiliser 2 maquis. Et puis, l'huile, je mets 2 cuillères d'huile. Voilà. Et puis je mets le milk en poudre. Vous avez vu? Moi j'aime trop le milk en poudre que le milk en liquide. Et puis je mets vanille extra. Juste un peu parce que je veux juste isalaka na flavor. Na chika mke pour la flavor. Et puis nous allons mix ça on all together before na cha mai. Ensuite, on retient maïs, 1 verre d'eau. Vous avez vu, on retient un dame. Je mixe par un noki. Sinon, ils ont ça abandonné. Voilà, j'espère que vous m'avez donné pas de maïs comme ils allaient vraiment maïs. En plus, ils allaient pêcher ma capacité. Je vais faire bon. Des commis. Voilà, et on a que tourner pâte là. La check déjà. Voilà, et on a que tourner farine là. Il n'a check déjà machine là. Et chauffe à casse. C'est qu'on obtient comment il mouquille. Juste mouquille caca. Voilà. Et après, on a pâte là. Parce que machine déjà est chauffée. Voilà, on a fait déjà le premier tour là, on a fait le deuxième tour. J'espère que vous voulez quantité la tiaki, gaufre et pandanité la machine. Mon pied dans la moelle.